Good morgen, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Avraham, Mordechai ben Yitzhak Befani, ainsi que l'Irfoua Tarav Baruch Shmuel ben Elabitor Shacholusal. Si vous souhaitez aussi de une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sichat Mot Katan, Perek Aleph, Mishnahé. Rabbi Meir Omer, Roin et Anegaim, Batechila, Lehakel, Avalo Leachmir, Vachachamim Omrim, Lo Lehakel, Velo Leachmir. Vodama Rabbi Meir, Melaket Adam Atzmot Aviv Veimo, Mipene, Shesimcha Ilo. Rabbi Yossi Omer, Avel Hulo, Evel Hulo, Lo Yorer Adam Almeto, Velo Yaspiden, Okodem Le Regel, Shloshim Yom. On continue maintenant avec les halachot de Chol HaMoed. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, avec un sujet particulier, le premier sujet, c'est les Negaïm. Les Negaïm, c'est la lèpre. Vous savez que lorsque on était frappé de lèpre à l'époque, quand il y avait cet usage, alors, ça suffisait pas d'avoir juste une lettre. Il fallait nécessairement qu'il y ait un Cohen qui vient, qui voie l'allure selon des critères bien définis. Soit, selon le cas, il allait enfermer la personne pour lui dire « on verra ce qui se passe après 7 jours, comment ça évolue, si ça devient plus large, plus... » Et il y avait des simanim aussi, on regardait s'il y avait des poils qui étaient dans la tâche, qui sortaient, où il y avait des poils qui devenaient blancs. Il y avait toutes sortes de règles. Comment rendre impur? Maintenant, tant que le Kohen n'est pas venu, il n'a pas prononcé que le néga, que la tâche, c'est de la lèpre, alors la personne n'est pas impure. On a malgré tout le devoir d'apporter tout de suite le Kohen pour le regarder, on a une obligation d'amener tout de suite le Kohen pour qu'il regarde, mais tant que le Kohen n'a pas prononcé, alors on n'est pas impur. Mieux que ça, l'Agma enseigne que dans certaines circonstances, on a le droit aussi de ne pas appeler le Kohen pour qu'il vienne tout de suite. On l'appellera plus tard, en l'occurrence pour les fêtes. Si on a envie de passer les fêtes en famille, par exemple, avant d'être condamné, parce que quand on a la lèpre, on se retrouve obligé de sortir en dehors de la ville, et traîner en dehors de la ville jusqu'à qu'à la fin, ça peut durer parfois très longtemps. Eh bien, donc on a la possibilité aussi de... On a certaines possibilités, dérogations, de ne pas appeler le Kohen. Nous, maintenant... Notre sujet, alors, on parle partiellement de ça, dans la Mishnah, mais avec un cas plus particulier, en fait, c'est qu'on a déjà eu le Néga qui est sorti, et on a envie d'appeler le Kohen, alors, on parle d'un cas particulier, en fait, qu'il y a des Négaïm, il y a certains Négaïm, que... Il y a des Négaïm, en fait, où le Kohen, il vient, il dit, ah non, ça c'est bon, c'est pur. Il y a d'autres Négaïm que le Kohen, il vient, il prononce que c'est impur. Il y a d'autres Négaïm que le Kohen doit venir et doit dire... Il va dire d'enfermer pendant 7 jours, on verra après qu'est-ce qui se passera le 7e jour, comment ça évolue ou non. D'accord? Il y a, donc maintenant, on parle en fait de ce deuxième type de néga, c'est-à-dire l'agma l'explique. Avant les fêtes ou même pendant les fêtes, le Kohen ne vient pas du tout. Pour regarder un néga, si quelqu'un n'a aucun problème, on verra après les fêtes. On verra, il viendra voir qu'est-ce qui se passe. Si toutefois le Kohen il est venu depuis avant la fête, et puis maintenant, on est encore en stand-by, on attend la décision du Kohen, pour le moment on est enfermé, on n'a pas le droit de sortir. On n'a pas le droit d'être en contact avec du monde. Maintenant, si le Kohen va venir et qu'il va prononcer que c'est devenu impur, alors ça va être pire. Ben, mais d'un autre côté, on a peut-être une chance que le Kohen il va finalement prononcer que c'est devenu pur. Ouais. Imaginez qu'on a déjà été enfermé. Vous m'avez suivi. On a déjà été enfermé une fois ou deux fois selon le cas. Et maintenant, on attend que le Kohen vienne. Si le Kohen vient et il prononce impur, alors là, c'est la zut. On doit en plus à ça. Ça ne suffit pas d'être enfermé, il va falloir sortir en dehors de la ville. On devient un Metzora Mukhlat, ce qui s'appelle, qu'on avait découvert dans Masechet Megillah. Metzora Mukhlat. Alors que si le Kohen nous laisse comme ça, on a au moins l'avantage d'être Mousgar, c'est qu'un Safek. La question maintenant, c'est est-ce qu'on peut appeler un Kohen pour qu'il va regarder le Néga, et selon le cas, s'il voit que c'est impur, il se tait. S'il voit que le Néga, il est pur, alors il prononce. Comme ça, on a gagné, on aura même le droit de rentrer. De revivre en famille et tout ça, parce que ça, on a été purifié. Alors, c'est la marloquette qu'on a. Rabbi Meir Omer, Roi Natanegaim, Batrila, Lehakel, Ve, Avalon, Lachmir. Selon Rabbi Meir, il nous dit que le Kohen, il a le droit de venir voir le Néga. Batrila, je ne sais pas ce que ça fait là, ce Batrila, en fait. Afilu Batrila. D'accord. Selon le principe, en fait, d'accord. J'expliquerai après. On l'a déjà dit à l'oral, j'ai pas vu que c'est écrit aussi dans la Mishnah. En tout cas, le Kohen a le droit de venir voir un Néga pour permettre, et Avalon Achmir, il ne regardera pas le Néga pour interdire, c'est-à-dire qu'il pourra regarder le Néga et décider de, s'il voit que c'est impur, il préfère sauter et dire, bon, je reviendrai la semaine prochaine, me dire. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Tandis que Vachachamim Omrim, Lo Lehakel, Velo Lachmir, Chachamim disent que tu ne regardes, le Kohen ne regarde pas le Néga,
ni pour permettre, ni pour interdire, parce qu'en réalité, selon Chachamim, le taro, le tamo, il est marqué dans le pasouk, si tu viens, si le Kohen vient, regarde, il est obligé de dire, est-ce que c'est pur ou impur. Il peut ne pas venir, mais s'il vient, il est obligé de prononcer, et même impur. Et on n'a pas vu que tu as purifié. En fait, ça sort que selon d'après Rabbi Meir, dans n'importe quel cas, quand tu as un égard, si tu veux, tu peux appeler le Kohen, parce qu'au maximum, le Kohen, il vient, il dit, bon, c'est pur. D'accord? Et si c'est impur, il se tait. Tandis que d'après Chachamim, alors, on préfère que tu rentres pas du tout dans ça. T'amènes pas le Kohen pour qu'il regarde. D'accord? Ensuite, Veodama Rabbi Meir, autre chose, il a dit Rabbi Meir. Mais la quête Adam Atzmot Aviv Veimo, Mipenesh Simcha Ilo. Alors, je traduis d'abord. Un homme a le droit de ramasser les os de son père et de sa mère, Mipenesh Simcha Ilo, parce que c'est littéralement, c'est une joie pour lui. De quoi on parle en fait? Je ne sais pas exactement pourquoi c'était comme ça, quoi. Non, quand ils enterraient un mort à l'époque, ils l'enterraient d'abord dans un premier endroit, qui était un endroit où il y avait plus de la route, plus d'humidité, tout ça. Comme ça, la chair se terminait. Il reste ensuite les os. Après, on récupérait les os et on les mettait dans les kivrei avot avec un cimetière spécial de la famille. C'est comme ça l'usage aussi. C'est rapporté ici dans le Tiferet Israël, il rapporte ça un peu plus longuement. Et puis, donc, en fait, aujourd'hui, à notre époque, c'est un petit peu comme ça arrive, des fois, les gens qui veulent enterrer en Khoutzlaharès, ils auraient voulu enterrer en Eretz Israël, mais ils ne peuvent pas enterrer en Khoutzlaharès. En Eretz Israël tout de suite, il y a pour X ou Y raison, c'est la Corona, c'est ce que vous voulez. Donc, ils vont se mettre à enterrer en France, mais momentanément. Ils espèrent que d'ici un an, ils vont récupérer le corps et le faire monter en Israël. Ce jour-là, c'est ce qu'on appelle le Likut Hatzamot. C'est qu'on ramasse les os pour les apporter ailleurs. D'accord? C'est un peu la même idée qu'on a. Eux, ils faisaient ça plus fréquemment, apparemment. Chez nous, c'est relativement rare. Et toutes sortes de halakhot, est-ce qu'on a le droit de faire? Est-ce qu'il faut le faire ou il ne faut pas le faire? Qu'est-ce qui va se passer avec le corps? Et des fois, si on va quitter le pays et qu'on va laisser le corps comme ça, qu'après, il va se perdre complètement, donc il vaut mieux le récupérer. Et des fois, si on a posé la condition depuis le début, que c'est que momentané, comme c'était, en l'occurrence, comme c'était le cas à l'époque, dans ce Likut Hatzamot, alors on a le droit de le faire. On enterre, la chair se détériore complètement, après on réouvre pour récupérer les os et aller les enterrer dans un cimetière plus mechoubad. Alors la Mishnah m'enseigne comme ça, que Machloket en fait, selon Rabbi Meir, on a le droit de ramasser les os, de faire le Likut Hatzamot à Chol HaMoed, et il dit parce que c'est de la joie, c'est-à-dire, en fait, le principe est simple, à Chol HaMoed, tu dois être joyeux, tu dois pas être triste. Si maintenant il va ouvrir le cercueil de ses parents pour ramasser les os, ça va lui faire quelque chose, j'espère, pour lui. Alors. Donc du coup, ça, c'est Rabbi aussi qui va nous dire, non, Evelolo, c'est un jour de deuil. En réalité, je vais même vous dire quelque chose, c'est que le jour où on ramasse les os, le jour où on ouvre le cercueil, on ouvre la tombe pour sortir les os, c'est un jour, normalement, il faut prendre le deuil, pour une seule journée. Il y a des techniques, concrètement, on dit aux gens de faire comme si qu'ils ne le savent pas. On se débrouille pour Inom à la Kadisha, d'aller chercher les os sans prévenir, et comme ça, après, on a passé le jour, après, ils sont plus obligés de prendre le deuil. Mais s'ils sont présents au moment où on ramasse les os de la tombe, il y a ici une obligation de prendre le deuil, ça s'entend normal. Alors du coup, Rabbi Meir nous dit malgré tout, en fait comme ça il faut lire, Rabbi Meir nous dit malgré tout, on a le droit de le faire pendant Chol HaMoed, de ramasser les os, vous savez pourquoi? Parce que Chol HaMoed, il n'y a pas de deuil. Et grâce à la simcha de Chol HaMoed, alors il ne va pas être endeuillé pour ses parents, il va savoir qu'il ne doit pas prendre le deuil, il va être content finalement que les os de ses parents vont aller dans le Kivre Avot, dans le cimetière où il y a toute sa famille qui est enterrée, enfin Kavot pour lui, et il va pas, et on n'a pas de crainte qu'il va être attristé, parce qu'en plus de ça, le fait d'abord d'être en état de fête, avec en plus de ça le fait que c'est quelque chose de bien quand même de ramasser les os pour les apporter au bon endroit, alors ça ne va pas le rendre triste. Et Rabbi aussi sur ça, il relève, qui nous dit non, c'est malgré tout, c'est un jour de deuil, on ne veut pas qu'il fasse quelque chose qui va l'attrister. À part ça, autre halakha, lo yorer adam al meto, lo yaspidno kodem l'argel, shloshim yom, on parle d'autre chose complètement. Un homme n'éveillera pas pour son mort, c'est-à-dire il ne veillera pas la peine pour son mort, soit il fera pas un Atzeret Zikaron, comme c'est fréquent, de faire un moment de recueil en souvenir du mort, à 30 jours avant Yom Tov, et de même aussi, il ne fera pas d'Espédim, c'est-à-dire il appellera pas en payant un Sabdan, quelqu'un qui va faire des oraisons funèbres, 30 jours avant la fête. De quoi on parle exactement? Le principe est de nouveau simple, c'est que il y a deux raisons pourquoi. On va prendre d'abord la deuxième raison qui est apportée dans le Barthénora, c'est que lorsqu'on évoque le mort, on s'en rappelle, alors ça nous attriste. Et si c'est quelqu'un qu'on apprécie,
On peut rester encore 30 jours, jusqu'à 30 jours sous le choc d'avoir reparlé du mort. Ça va nous faire, ça va nous saper le moral. Donc du coup, 30 jours avant la fête, s'il y a quelqu'un de Keniftar, on fait un SPED. Mais même quand on fait un SPED, on n'a pas le droit d'aller chercher, d'aller payer. Ils avaient il y avait des gens qui étaient des savdanim, des gens qui étaient professionnels pour les orations funèbres. Ils venaient, ils vous parlaient du mort, ils se mettaient à vous faire pleurer comme je ne sais pas quoi. Donc du coup, ça, en payant de l'argent, on ne veut pas le faire, ça on ne le fait pas. S'il y a quelqu'un qui est décédé, on va lui faire des espédimes de manière propre, d'accord, modeste, mais sans appeler le grand savdan qui va faire pleurer tout le monde. Ça c'est pour le espède, et aussi lorsqu'il y a eu un mort qui est quelqu'un, un défunt depuis de longues dates, et qu'on a envie de faire une soirée de recueil en son souvenir par exemple, on pourra le faire 30 jours avant la fête. Ça c'est la deuxième explication du Bartanura. Une première explication en fait du Bartanura, c'est que l'usage il était de payer ces gens-là, qui faisaient des oraisons funèbres, et en fait, on veut que 30 jours avant la fête, on commence concrètement à ramasser de l'argent pour pouvoir assumer les grosses pertes, les grosses dépenses de la fête. On est 30 jours avant. Et en fait, si toutefois, il y aura une occasion de faire un SPED pendant les 30 jours, on a peur que l'argent que tu as commencé à mettre de côté, que tu vas le prendre, tu vas l'utiliser pour payer le sabdan, et après quand il va y avoir la fête qui va arriver, tu n'auras plus d'argent pour célébrer la fête comme il se doit. Donc en fait, 30 jours avant, on t'interdit de dépenser de l'argent pour faire des espédimes. Si tu veux, tu peux faire des espédimes gratuits, mais tu ne pourras pas dépenser de l'argent pour faire des espédimes. Comme ça, tu gardes ton argent et on est sûr que tu vas pouvoir célébrer la fête comme il se doit. D'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout.